Et salut à tous, on se retrouve pour cette huitième partie de Pokémon Safe 2. On est sorti du centre commercial, on va partir dans la suite de nos aventures, hein, fini le shopping. Alors, destination, je vais vous montrer la carte du monde. On avait reçu il y avait des signaux, des émissions de signaux radio, vous savez, des vagues comme ça de signaux qui avaient été détectés comme étant en provenance de la Filbur Isle. Alors j'avais regardé sur la carte où c'était, j'ai eu du mal à savoir comment y accéder. J'ai testé par là-bas, mais on est un peu bloqué par des gendarmes, je sais plus trop où. Là pareil, on peut pas surfer à un endroit. Ah oui, on arrive dans une zone où il faut faire plongée, mais on peut pas faire plongée. Bref, je suis revenu ici et j'ai compris qu'il fallait revenir jusqu'à Margon City et commencer à voguer sur la Régrissie. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai fait pas mal de combats en avance puisqu'il y a beaucoup de dresseurs. Je les ai pas tous faits, on en aura quelques-uns. Et voilà, il a évolué, j'étais trop content. Je sais plus si c'est le sexe, c'est-à-dire mâle ou femelle qui fait l'apparence. Mais j'aime bien. J'aime bien celui-là. Je crois que j'ai toujours eu lui. Peut-être qu'il y a plus de mâle que de femelle, je sais pas trop. Bon, en tout cas, je suis bien content. On a notre équipe qui commence à être pas mal. On a lui. Lui, j'aimerais peut-être l'enlever. Franchement, je pense que je vais l'enlever. Je l'utilise pas beaucoup. Je l'aime pas plus que ça. Et vous savez, quand je suis retourné sur mon let's play de Pokémon. Attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quand je suis retourné sur mon let's play de Pokémon Safe 1, eh bien, j'ai vu que je l'avais déjà utilisé. Donc vraiment, lui, je vais pas le garder. J'aimerais un Pokémon électrique. Voilà, Destroyer, tu nous as accompagnés pendant le début de l'aventure. J'aimerais peut-être un Pokémon électrique. Je me dis, ça pourrait être sympa. J'ai trouvé une CT onde de choc. Voilà. Voilà mon petit projet. Électrique quelque chose serait cool. On verra ce qu'on trouve. Bon, c'est par ici. Je sais pas si j'ai encore un repousse en marche. Mais je veux utiliser. Après, je sais qu'il y a des Pokémon hauts comme Lupio et tout ça, mais... haut électrique, je veux dire, comme Lupio. Mais je veux pas trop de Lupio. Ah, d'ailleurs, si ça vous intéresse... Comment on fait déjà? Oui. On peut trouver ça. On peut peut-être même pas trouver de Lupio, alors. Eux, j'ai fait... Ah oui, avec la ligature, je l'ai fait. Et je crois que je suis pas allé plus loin que ça. Je l'ai fait, elle. Ouais, j'ai peut-être fait... J'ai peut-être fait elle. Lui, je l'ai fait, mais... Ah, lui, j'ai fait qu'un seul à ligature. Donc, elle, je l'ai pas fait. On va remettre Manicole devant. Pour l'entraîner un petit peu, le petit. Bon, on va mettre Float. J'aime pas, hein, les Pokémon de combat. Vous voyez, un Pokémon type haut, en fait, quand. Un Pokémon type haut, on peut le battre avec l'électrique et les plantes. Notre Pokémon plante, il a pas encore de bonne attaque plante, c'est un peu dommage. Je sais pas, enfin si, il a Vampigraine qui est une très bonne attaque plante. Ah oui, il l'a appris d'ailleurs. C'est une très bonne attaque plante, mais bon, c'est pas offensif. C'est pas ça qui va nous permettre directement de gagner des combats. Bon, on verra, on continue par ici. Je l'ai fait quand même puisque c'est de la bonne expérience. Non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Poison Tail. On va pas l'envoyer à la mort. Je veux qu'il survive et qu'il gagne de l'expérience. Et je vais pas revenir en arrière. Corphish. Ah, je confonds avec l'autre là, avec la méduse. Je croyais que ça allait être la méduse. Alors, je vais rapidement soigner cette affaire. J'ai racheté des potions et des biscuits là qui soignent les problèmes de statut. Un peu comme les lava cookies. Mais la version de ici. Poison Tail peut-être. Je peux mettre qui contre lui? Eh bah si, Persona. Mais non, il est pas encore. Il est pas encore type combat. C'est pas grave, ça va le faire. Dommage. Ok, il est KO. 10 watts. 10 watts contre Fantôme. Shadow Claw. Re-Shadow Claw, très bien. Soak. On va laisser Fantôme. Il peut peut-être pas nous attaquer. Ça c'est pratique. Loki s'appelait comme le dieu. On les soigne, alors c'est vrai que ça fait vite beaucoup. Enfin, ça fait déjà l'utilisation de plusieurs potions. On va essayer de se calmer un petit peu. Allez, Manicole, on te laisse devant. Allez, on
encore beaucoup de dresseurs. En vrai, je les évite. Pilbur Isle, on est arrivé. Hein. J'aurais pu attendre 2 secondes. Salut, toi tu es qui? Je n'aime pas le sable, ça gratte, etc. etc. Plutôt ce jour-là. Ok, le papa de Keola. Mais qui est Keola? Alors, il y a Cheno, on voit, avec un gars des régressistes. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez juste marcher droit dans notre village et faire ce que vous voulez? En fait, nous sommes la police, le chef du ministère de la Défense. Nous avons les papiers et la permission de faire des recherches sur cette île. Il y a la menace d'une bombe dont l'origine serait dans cette île, dans une partie cachée de l'île. Nous avons besoin de l'assistance des locaux pour localiser. Nous avons besoin d'aide pour localiser cette source. Est-ce qu'il y a quelque chose de vieux à visiter, des ruines, quelque chose de ce genre? Vous avez l'air de bien connaître le coin, je me trompe? Je suis désolé, mais je ne me souviens d'aucun endroit comme ça. Ok, il est sûrement en train de mentir, il sent qu'il y a un truc pas net et il veut comme protéger les ruines. C'est ce qu'on verra, allons-y. Il vient avec nous. Ok. Somwash, on se connaît. C'est vraiment mauvais, les policiers sont venus au village et ils ont emmené papa. On te connaît, gamine? je suppose que oui. Au moins, c'est ce que le voisin a dit. Ils ont dit qu'il était venu avec eux, mais ça avait l'air forcé. On ne sait toujours pas leurs objectifs. Je commence à être inquiet. La police. Mais ils ont juste embarqué comme ça? Je vais trouver votre mari et je vais comprendre ce qui se passe, quoi. Je vais mettre un terme à tout ça. Keola, ne t'inquiète pas, ton papa sera vite ramené à la maison. Je t'en donne ma parole. Merci, Somwash, tu es vraiment un héros. J'espère qu'il va bien. Il connaît l'île plutôt bien, mais les Filbur Wilds peuvent être dangereux pour lui. Ok, compliqué l'ambiance ici. Ah, tu dois être ce gamin qui... Ah, mais c'est sur cette île! Ah, oh, je m'en souvenais plus. C'est la gamine qui nous a trouvés au tout début. Oh, et c'est le papa qui avait essayé de nous aider qui était sympa. Et j'y pensais plus. Merci, tu es un vrai héros. Ah, on est chez eux. J'avais totalement oublié. Pourtant, ça fait pas si longtemps, mais j'avais totalement oublié. Farfetch, non. Ah oui, les potions que j'avais déjà essayé de prendre. On avait une zone qui était inaccessible, je me souviens plus. Et je me rappelle de... Oui, on cherchait des arbres pour je sais plus quelle raison. On dit quelque chose. Ah, là, on peut traverser. C'était une zone qu'on pouvait pas avoir avant. Alors, avec notre Junko, on peut prendre ces zones-là. Je sais pas vraiment si je suis sur le bon chemin, mais... Ah, Filbur Wilds. C'est là où il disait l'avoir emmené. Ah, s'il y avait Sina avec nous, il pourrait décoder tout ça. Ok, continue tranquillement. Ah, bonjour. Allez, continuons. Le boss a trouvé les ruines. On va devoir sécuriser la zone. Déjà, oh, il a pas obtenu l'aide de gens de ici, de locaux. J'ai entendu dire qu'il le gardait en otage jusqu'à que l'opération soit terminée. Est-ce que c'est pas mauvais? Et commence à se poser un peu des questions. Ces méthodes ne nous concernent pas. Nous exécutons les ordres et nous sommes payés. C'est comme ça que notre job fonctionne. Bon, on doit y aller. Cheno l'a déjà trouvé. Je dois me dépêcher. Ok, on va juste vérifier. Non. Attendez. Comment je fais? Si, c'est ça. Non, ça c'est pour le world map. Ah, voilà, c'est dans le sens d'Exnav. Il faut que je fasse. Je trouve ça. Ah, pas de Pokémon électrique à signaler, rien de particulier. Salut. Je veux me battre. Je veux me battre. Il y a Iron Défense. Ok. Non, on peut encore mettre une... Je sais pas si c'était bien malin de faire ça. Je sais pas combien de combo griffes il m'a fait. Ouais. C'est pas hyper intéressant. On va mettre lui qui nous fasse ses attaques de type normal. Ah, il peut pas. Il est faible face à nous. Il n'y a personne pour nous soigner cette fois-ci. Avant, quand on était ici avec notre cher Oléane, ou c'est peut-être arrivé avec Sina, je sais plus s'il a déjà combattu Sina. En tout cas, on avait des personnes qui nous soignaient. Ça, on était plutôt content. Bon, déjà un de fait. Je sais pas s'il y en a que 4 comme le nombre de sbires, on va dire, de policiers qu'on a vu, mais. Ah, ça, j'ai essayé d'interagir avec la tablette. Salut! Code M.
Ok, ça c'est pour Gear 5. Tranquillement. On s'embête pas. 1205, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Non, mais je vais mettre n'importe qui. Et on va. Ah, mais non, quoi que lui, il peut y arriver lui-même. Mais c'est tellement plus facile. Là, on va vraiment rentabiliser l'expérience. 930 pour chacun. C'est assez incroyable. On va mettre Maneko. Je suis sûr qu'il peut le faire. Poison Tail. Ouais, il peut le faire, il peut le faire. Il a 638 pour tout le monde, ça c'est énorme. 2500. Ouais, il faut que j'y pense un petit peu plus si je veux entraîner de manière plus strat, plus maligne mes Pokémon. Quand c'est des gros comme ça qui vont me rapporter de l'expérience, je le sais, il faut que j'en profite. Ouais, c'est un peu plus que 4, quand même. Je pense que j'ai eu raison de faire les gens de l'eau, de la Rigrisse Sea en premier, puisque c'est psy, puisqu'on a beaucoup de combats encore ici. Curse, non, pas avec lui, je pense. Ok, bon, on continue. Il a plus beaucoup de PP. Salut, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Les floats, c'est pour toi. Water Gun, ça fait. Il combat plus énormément, lui. Ouais, ça va, ça va, ça va. Simi Sage. Oh purée, j'ai failli faire une boulette. J'ai confondu avec un autre Pokémon. Voilà, c'est pas mal. Rock Slide, oui, à la place de charge, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, on pourra battre quelques Pokémon vol avec lui aussi. Ouais. Allez, on utilise tout. C'est pas cher les eaux fraîches, c'est 100 Pokédollars. Salut toi, Roselia. Ok, on va quand même faire le petit bluff et on enchaîne. Ah, dommage, dommage, dommage. Niveau 28, très bien. Charme, c'est pas mal. Charme, là j'utilise pas trop. Gros yeux, puis de toute façon j'ai pas d'attaque physique. Non, charme, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Lui, on peut pas encore. On vient d'où? Non, on vient pas de là, hein, d'accord. On était venu de la gauche ou d'en haut, mais on n'était pas venu de cet endroit. Il me semble pas. Ah, c'est là, c'est cette zone qu'on voyait. Ces ruines sont incroyables. Gear 5. Chiant. Ça va. Bête. Très bête de sa part. Ok. Sand Slash. Ok, on met le. Dommage qu'il faudrait vraiment une meilleure attaque haut. Oh. Ouais, pourquoi j'ai pas changé? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Vraiment, je pense que je vais utiliser un rappel. Poison Tail 50. Venoshock 65. Faut qu'il apprenne une attaque. Oh, j'ai pas vu. Attends, Stantler. On va voir avec Gear 5. Ah, mais c'est lui, Stantler. Un petit work-up. Ah, mais on va mourir. On va mourir. Totalement mort. Fantôme, est-ce qu'il peut nous attaquer? Ah, c'est ce que j'allais faire. Marcoupier. Allez, Leech Seed. Comme ça, voilà, il peut faire autant. Ah, mais non, mais avec feinte, il peut pas m'échapper de toute façon. C'est bon, tout va bien. Alors, par contre, comment on va faire? J'ai quelques rappels. J'ai un peu la flemme de retourner aussi loin en arrière sur la ville d'avant. C'est loin. C'est assez loin. Ah, c'est vraiment pas lui que je voulais soigner. Je me suis trompé sur la couleur. Attends, y a qui est encore niveau 27? Personne. Flotte, là, tu vas passer un petit peu devant. C'est un peu faible en ce moment. Salut. Pikachu, mais c'est parfait. Oh, je le mets pas KO. C'est dommage, dit Rafarig. Fantôme, parce que je ne peux pas lui faire d'attaque spectre, mais je pourrais faire des attaques ténèbres. Ok, ça c'est pas mal. Duskull, on va le laisser. Shadow Claw, c'est terminé. Alors, on a quoi dans cette zone d'ailleurs? Ouais, il y a des Pokémon assez intéressants en vrai. Je sais pas trop où aller. Là, on peut. Ah non, j'ai cru qu'on pouvait escalader ça, mais à quoi ça servait? Salut! Salut, salut! Ah, est-ce que j'essaierais pas un petit Rock Slide? Voilà, c'est parfait. Glace, en face, glace. Vol, non, il était glace quoi, je me rappelle plus. Je sais, j'ai déjà oublié quel Pokémon était juste là il y a 2 secondes. Ah, 2700, franchement, je peux y aller sur les potions. Je peux vraiment y aller.
Allons par là. Ok, on a un truc à récupérer, sympa ou pas? Water Pulse! Mais oui! Franchement, je me plaignais il y a pas très longtemps de. Ah oui, j'ai acheté Toxique, c'est vrai. De pistolet à eau qui était pas assez puissant. Alors, je vais essayer de pas faire boulette. Water Gun, voilà. Ah, il peut apprendre. Non, non, c'est pas à lui que je pensais l'apprendre, c'est à lui. Je pourrais l'apprendre à plusieurs personnes, tu vas me dire Screech. Allez, on va enlever Screech. Toxique. Bon, bah voilà. Pour l'instant, non, une seule fois, c'est déjà bien. Ok, est-ce qu'on peut continuer par là? Ah, ça c'est pas mal comme zone. Je sens qu'on approche d'un chemin intéressant. Toi, on va mettre Gear 5. T'es bientôt niveau 30 quand même ce truc. Niveau 29, niveau 30. Belly Drum. Non, je pense pas. Swadloon. Ok, pas mal. Et encore, il a pas évolué. Il est si costaud. Hyper potion, on va pas exagérer non plus sur les hyper potions. Voilà, limonade pour toi, pour toi, pour toi. On va mettre fantôme devant, puis on va essayer de les amener niveau 30 petit à petit. Filber runes, c'est bon, on est arrivé, on a réussi à prendre le bon chemin au final. J'ai pas tout fait exprès, j'ai l'impression. Ok, tout va bien. Désolé d'avoir pris tant de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré leur chef? Où sont-ils? Ils m'ont emmené ici pour voilà, pour trouver cet endroit avec mon aide. Heureusement, ils l'ont trouvé avec seulement un tout petit peu d'aide de ma part. Je savais, voilà, je connaissais les ruines, mais je n'étais pas sûr de cette partie en précis, enfin précisément. Ce type aux cheveux rouges, le boss, a pris les cristaux et est parti avec tous ses officiers. C'était quoi tout ça? Ah bon sang, Chéno. Au moins vous allez bien, merci Arceus. J'ai dit à votre famille que j'allais venir vous sauver, ils étaient très inquiets. Je vais m'occuper du reste, d'accord? Ne les faites pas patienter. Oh, tu ne raccompagnes pas? Il y va tout seul. T'es sûr? Voyons voir. L'histoire a l'air de continuer. Un côté s'est rangé. Enfin, quelqu'un s'est rangé du côté de la paix. Et une autre partie s'est rangée pour la domination. Tous cherchaient leur voix, leur vue. Leur point de vue dans les. Tous se retrouvaient comme. En fait, ceux qui étaient pour la paix et ceux qui étaient pour la domination, chaque point de vue trouvait sa source, en quelque sorte, dans les pouvoirs divins de Darkrai. C'est un peu comme ça que je le comprends. Ah, c'était ça la division. Un côté voulait la paix et l'autre, pas trop, la puissance de Darkrai. Ah, elle est certainement sans limite. Enfin, je me pose même pas la question de pourquoi les gens voulaient pour dominer. Chéno est le meilleur exemple. Bon, prenons ça en photo pour le groupe et on retourne au labo. Oh! Darlo? Le grand plan. Pour le grand plan de Chéno, il fallait que cet endroit soit désert. Maintenant, je dois juste. Eh oh, Darlo, je suis là. Allô? C'était quoi ça? Ah, mais il a atterri à coup de. Et tout Raptor? Darlo, et tout Raptor? Qu'est-ce que vous faites là? Où est Chéno? Parti, je suppose, désolé. Darlo avait clairement l'air inconfortable et est parti rapidement. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, Darlo? Il avait l'air différent cette fois. Ah, de quoi je parle? Et bon, I'm glossing over, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il est content qu'il soit vivant. Ah, mais oui, c'est vrai que. Comment? Il était tombé dans un trou. Puisqu'on avait battu Darlo et Shenno l'avait fait tomber dans un trou qui avait été ensuite enseveli. Donc ça, c'était pas très pas sympa, hein, pas terrible. Et on pensait qu'il était mort. Bon, je dois le trouver et voir ce qui se passe. Et tout Raptor, on te connaît? Et tout Raptor, ah, je suis content de voir que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. J'ai trouvé déjà plusieurs d'entre vous. On va pouvoir voler. Oh merci, c'est trop bien. Je sais pas ce que tu me dis, je veux juste. Je peux voler quoi. Il t'est pénave. Ah, c'était dans quel jeu qu'on avait ça? C'était dans Source? Parce que c'est un petit peu mieux fait. J'aime bien les petits arbres, c'est bien fait. Ok. Ok, il faut aller de ville en ville quoi. On est au-dessus de la carte. Ok. Je ne vois Darlo nulle part.
Mika, c'est Olian. Est-ce que tout va bien? Nous avons entendu dire que la police avait quitté l'île. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé trop tard. Cheno avait été déjà parti, j'imagine qu'il était avec la pierre. Cependant, j'ai aussi trouvé Darlo vivant, seul, par contre. Quelque chose a dû lui arriver. Il est parti quand on a croisé nos regards. D'accord. Je vais retourner au labo. On se retrouve là-bas. Ok, donc là, Philbur Isle, donc la terre principale se trouve par là. Et c'est drôle ça, hein? C'est bien fait, non? La grande ville. Non, oui, on remonte. On traverse normalement la grotte. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de là où je me dirige. Ah, oh, on peut avoir des Pokémon. M'intéresse pas trop. J'essaie de m'y retrouver vraiment, mais pas trop. Ok, je suis là. Ah, on peut aller voir au-dessus de la zone de combat ou pas? Alors, je vais mettre un petit repousse pour repousser les Pokémon dans les airs. J'aurais pas pensé que j'aurais besoin de faire ça. Est-ce qu'on peut aller voir? Ah, je suis au sud des Régrisses. Attends, c'est où la zone de combat? Battle Frontier, ok, on voit pas les détails non plus. Nord de Régrisses. Ok, c'est où ça? Mont Temporita, on connaît pas Temputar, ok, c'est quand même vraiment plus au sud. Oh, mais Kendro City, il était caché par les nuages aussi. Moi, je cherchais la grande ville. C'était sous le nuage, d'accord. Mais supermarché, donc non. L'académie est là. Et ben voilà, on va voir ce qui se passe, on va tenir au courant. Mika, tu es de retour. Olian m'a parlé de tout ça. Je suis content de savoir que ton ami est vivant, mais là, voilà, là où on, enfin le Cheno a beaucoup avancé, c'est alarmant. Oui, il a l'air d'avoir déjà deux de ces pierres, et le troisième morceau est ici. Je me demande combien il y en a. Rien ne s'est passé pendant que j'étais de sortie. Avec mon aide, nous avons pu tester les cristaux. Nous avons fait quelques progrès. Ok. Regress Band. Ah, on avait pas déjà. On avait reçu comme un petit cristal, peut-être. Keyshard. Ouais, ok. D'accord. C'est le second prototype. Sina a l'autre modèle. Insère la Keyshard et ça devrait fonctionner parfaitement. Bien. Avec les cristaux que je t'ai donnés, tu devrais être capable d'utiliser cette puissance. Attention, cependant, nous n'avons toujours aucune idée de à quel point vous pouvez supporter le choc. Est-ce que nous ne devrions pas le renommer? Cette puissance a l'air cool, mais c'est si basique. Que diriez-vous de régression? Vous savez, puisque ça change de forme, comme un régris. Est-ce que régression n'a pas l'air, ne sonne pas mal, comme retourner en arrière? Attends, Mika, tu te souviens des ruines Sabio? Sparking des. C'est pas. Sparking, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a une théorie qui disait que. Mais mon peuple avait utilisé ceci pour battre Darkrai. Ah, ancienne régression. Ancien parce que c'est vieux et régression puisque ça a permis de retourner le Pokémon à son ancienne forme. Et en plus, ça ressemble à Régris. Ancienne régression, j'aime ça. Professeur, une activité de police importante a été reportée du côté du volcan Philuse. Un signal très similaire vient de la zone. Voilà, il est similaire ce signal aux signaux captés précédemment. D'autres signaux, une quatrième pièce. Mika, Sina, Olian, allons-y. Je vais faire équipe avec vous. Je veux enfin voir ce Cheno par moi-même. Philus Volcano, c'est juste en dessous des Philbur Isle, dans le sud de Régris. Ok, bah on va y aller vite fait, ça va être rapide maintenant qu'on a les Tauraptors. Par contre, je sais pas comment on fait. Ah oui, ITP Nav. Donc, Field Move, Soaring. Mais non, mais en vrai, je m'en fiche un peu, sauf. Philbur Isle. Non, mais on va devoir. Je peux? Ah oui, mais c'est pas comme si on avait besoin d'avoir déjà été aux zones. Peut-être qu'on n'a pas besoin, je sais pas trop. Salut, vous m'attendez? Ok, on est prêt à s'occuper de Cheno? Bien. Allons-y. Je pars devant. On se retrouve au sommet. Eh bien, Sina, je sais pas ce que t'as comme Pokémon, mais fais attention à toi. Et Sina, attends-moi, on doit rester ensemble.
Ok, Espen. Et Mika, avant qu'on y aille, est-ce qu'on peut parler une seconde? Bien sûr, mais on devrait faire vite. On n'a pas trop de temps devant nous, je sais. Bon, peu importe. Pendant que tu étais parti pour ta mission solo, bon, peu importe, on va affronter Shenno, n'est-ce pas? Je sais que c'est difficile, mais reste calme et restons ensemble, hein. Tu n'es pas tout seul, d'accord? Je suis ici pour t'aider. Mais bien sûr, Aspen, je sais et merci, réellement, merci. Allons-y, on a une région à sauver. On dirait qu'elle voulait dire quelque chose d'autre, mais. Écoute, il. Ah, il! Je dis elle depuis le début du jeu. Je pensais que c'était elle. Je dois garder mon calme. On a quoi comme Pokémon? On les a pas trop soignés. Ok. Pokémon Feu, on a déjà. Oh, Électrique Feu, ça serait cool, non? Je sais pas, ça serait vraiment cool. Non, non, ça m'intéresse pas trop, Galekid. Ça, on peut pas encore escalader. M'intéresse pas trop. S'il y en a un qui m'intéresse, je le dirai, sans souci. Mais eux, non. Ni Magma m'intéresse pas. Mais est-ce que je peux voir directement déjà tous les Pokémon? Dexnav. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit passage ici. Et on va brûler. Ok, bizarre qu'il y ait cette zone avec juste. On aura peut-être d'autres trucs à... Enfin, des rochers à faire tomber en quelque sorte. Non, toujours pas. Ok. Ah non, mais je suis arrivé ici donc. Mince. Donc là, si je fais ça, je peux aller par là-bas. Ah, mais ça me fait revenir. Super, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, c'est vraiment pas le meilleur Pokémon à mettre devant. On va mettre. Tant pis, ça va être le moment pour Float de briller, de récupérer un peu des niveaux. Force. Je crois pas que notre Pokémon, notre Karmash, non. Il écrase juste les rochers. Kentesuke. Supportable. Et. Voilà. Oh, un Galeking! C'est à nous ça, non? J'imagine, hein, puisqu'il est en train d'essayer de pousser un rocher. Code AP, nous avons une espèce agressive. Plutôt de type territorial. Ok, l'opération est au sommet, de toute façon. Galeking, est-ce que c'est toi? Ok, bon. On peut maintenant. On en avait un là, à pousser le rocher. Ah oui, mais. On n'en peut pas là. Bon, ce sera sûrement pour plus tard, j'imagine. Déjà, on peut faire ça. Eh ben, on s'est beaucoup rencontrés régressistes aujourd'hui. On va peut-être se calmer un petit peu. Une pierre feu, si ça c'est pas cool, alors. C'est sympa. On va monter, on n'a pas trop le choix. J'aurais bien aimé l'esquiver, si possible, mais c'est pas très grave. Ah oh oui, toute cette expérience. Alors, là, on va mettre fantôme, puisque. Je crains qu'il n'ait pas d'attaque normale. C'est pas vraiment une crainte. Mais j'ai pas. Voilà. L'autre, je pense qu'il aurait eu plus de mal. Là, il n'ose pas attaquer offensivement puisqu'il sait qu'il ne peut pas me faire de dégâts. Parce qu'il y a quelque chose comme ça. Les mudshots. Et ça. Ah, j'ai pas mudshot encore, dans tous les cas. Très bien. 990, ça fait plaisir. Je regarde juste. Je pense que le chemin, c'est tout droit. Mais j'aime toujours vérifier s'il n'y a pas des. Au moins des objets cachés. Au mieux. Bon, au mieux, on peut pas aller tout droit. Au mieux, c'est le bon chemin. Ok. Rock Slide. Ah, dommage. Rock Slide. Franchement, c'était une bonne idée de lui apprendre ça. Il est pas. C'est sûr qu'il n'est pas de type roche, mais. Mais c'est mieux que ce qu'on a d'autre comme Pokémon. On va continuer. Hein. On va continuer. Et je rate pas énormément, donc ça va. Hein. Oui, on va laisser ce. Se mettre KO tout seul. Je vais me soigner tranquillement. Je vais. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à soigner? Non. Bah, je vais faire Water Pulse. 999. Ok. Et Rock Slide encore. Très bien. Pas mal tout ça. On va peut-être l'emmener jusqu'au niveau 36 en vrai. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais juste essayer de parler à cette tablette. Le volcan est factieux. Je sais pas. Il est calme. Aucun signe. D'une prochaine éruption, j'imagine. Ok. Salut. 40 degrés parfait. Enfin, la chaleur parfaite pour une mission. Ok. Alors, par contre, ouais, c'est ce que je craignais. C'est qu'on se prenne une attaque un peu violente de début. Salut. Purugly. Fantôme. Hein. Lich Seed direct. Ok. Confuse Ray.
Ah, je peux pas faire plus. Ok, feinte. Feinte. Ah, je fais peu de dégâts, hein. C'est surtout la rempigraine qui nous aide. Feinte, ok, ça aurait pu nous faire plus mal que ça. Très bien, on avance. Là, on peut pas l'avoir pour l'instant, mais j'imagine plus tard ce sera possible. Insupportable. Je déteste. Pourquoi Nosferatu, il est si rapide qu'on est obligé de rater notre première fuite? Salut. Carnivine, hein, ça marche pas trop. Allez, pour. Ah, j'aurais dû utiliser Manekon qui est encore niveau 28. Bon, c'est pas grave. Whimsicott, ouais, on va l'utiliser, on va l'utiliser. Il est fait. Ouais, c'est bien alors. C'est doublement efficace, hein, y a pas un truc comme ça. Soda cool pour lui, pour lui. Et on va attendre encore un tout petit peu. Ah, je peux pas aller à gauche. Ah, je suis en train de me perdre là. Je suis totalement perdu. C'est pas bien grave. Air Punch. Au moins, je peux pas être empoisonné. Protect? Non, non. Non, non, pas intéressé. Go-Goat, on va le laisser. Fire Punch. Très bien. En plus, j'ai pas de rappel. Donc, si là il avait été mis KO, j'aurais été vraiment dégoûté. Full heal. Tiens. On va attendre encore un petit peu. Ah, ça va se rejoindre, ça, non? Ouais, ça rejoint presque. Ok. Salut. Je sais pas trop quoi faire contre toi, moi. Un Pokémon. Ah, mais je peux plus maintenant. Ouais, qu'il soit confus, ce serait le meilleur qui pourrait m'arriver, non? Ok, j'ai même pas fait attention que j'avais presque plus de PV. Bon, tant pis. Odino, tiens, c'est pour toi ça. On va faire un petit toxique par contre, parce que ça va peut-être mettre un petit moment avant qu'il soit KO en face. Ok, c'est pas grave, on est amoureux, mais on l'a empoisonné. C'est les relations toxiques, hein, ça peut arriver. Limonade. Ça, peu importe ce qu'il nous fait. Ok, 2473, c'est sympa. Direct niveau 30. Et il évolue. Enfin! Ça, c'est. Enfin. Bon, il avait déjà une évolution il n'y a pas longtemps, mais les Pokémon insectes, généralement, évoluent assez vite. Baton Pass, ça pourrait être pas mal en vrai. Mais je vois pas. Iron Defense en vrai, non, j'utilise jamais. Alors que Baton Pass, ça peut être pas mal si on s'est bien positionné. Est-ce que je peux le bouger? Ah mais d'accord, il faut que je fasse individuellement. Là, j'imagine, ça a permis de les mettre plus bas et sûrement sur une lave, on pourra sauter sur les. On peut pas là-bas. On pourra sauter quoi, sur les rochers. Charcoal. Est-ce que ça a un intérêt d'aller vers là-bas? Là, on peut pas. Non, on va continuer par là. Mince. Ok, ah, je peux passer par là. Moonstone. C'est pas mal ça, hein, Moonstone. Ok, mais. D'où est-ce que je viens, moi? Ok, on peut aller récupérer ça, mais c'est pas vraiment un nouveau chemin. Alors, faudrait ressortir dehors. Je me rappelle même plus à quoi ressemble dehors, à quel moment on a pris le chemin. Ah, ces échelles là qu'on peut prendre que dans un sens. Je sais même plus non. Je sais plus où je suis. Ok, on avait pris ici. On a fait pas mal. Passons par là. Alors j'ai l'impression, j'ai vu rapidement, comme si il y avait quelque chose qu'on n'a pas mis. C'est-à-dire qu'on est KO. On va mettre Gear 5. Et Fire Punch. Ah! Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout a bougé soudainement? Ok, lui, on peut le pousser. Ça, c'est quoi? Flame Charge, c'est sympa. Oh! Un Drattak! Non. Non, la flemme, Draco, je l'aime pas. C'est pas un Pokémon qui m'intéresse. La flemme, il apporte. Je sais pas s'il apporterait beaucoup. Non, 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 je dis non. Qu'un approche. Hein. Proche du but, on aura fait combien aujourd'hui de gars comme ça? Ouais, on n'a pas la meilleure équipe pour combattre.
Metal Gear 5. Hein. On va faire des coups de tête. Ok, très bien. On va soigner. Et puis, ouais, si c'est pour rencontrer encore plein de Pokémon. Enfin, de feu, on va mettre Gear 5. Je vois pas trop les autres possibilités. Bon. Super potion, c'est cool. Salut, toi, combat initiative. D'accord. Avec qui on peut te mettre KO, toi? Shadow Claw. Toi, ça lui a augmenté quoi? Mince, j'ai même pas vu que. Il faut qu'on change. Maneko, Rock Slide, super. Ça va être compliqué. Non, mais on a un moyen de gagner le combat. Hein. Regardez. On va sacrifier Gearfy. Et on va bien réussir. Il est toujours. Enfin. Il y a toujours avant Pigraine, non? Et voilà, on a réussi à le battre, c'était sûr. Allez, Vampigraine. Ok, il a raté. Vampigraine, très bien. Ça va être compliqué. J'ai quand même. Bon, en vrai, je me laisserais bien perdre. Comme ça, je retourne à un centre Pokémon. Et puis on s'arrête là. Bon, on va voir. Ah, il va peut-être perdre. C'est pas très grave. Je pense que si j'avais fait que des Shadow Claw, j'aurais pas perdu. Ok, on se repose. Merci. C'est sympa. Et on va s'en aller. Ah, on est toujours sur Philbur Isle. Ok, on finira l'exploration du volcan. On va voler ou je vais voir si on peut y aller en Clamiral. Et je ferai quelques combats. On va voir. En tout cas, on continue cette mission avec tout le monde. Aspen, Oléane et Sina. Et puis voilà, on continue ça dès le prochain épisode 9. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt. Ciao.